C'est eux qui auraient Ok, dû payer, merci. c'est pas toi. Ouais, c'est Ouais. vrai. Enfin bref. Écoute. Ah, moi je suis là. Ok. Pour l'instant. Et je bouge pas. Et à mon avis, le rasso, j'ai pas la foi là. Ah ouais. Ah ouais, gros, je suis cadet. Je comprends, ça fait longtemps que t'es debout. Bah ouais. Tout ce que je vais faire, c'est à la rivière après avec la boombox. Me poser. Même pas la boombox, je vais la poser chez moi. Là. Je vais la foutre dans le coffre. La baraque. Ok. Bah vas-y, moi je te laisse. Hein. Yes, désolé, hein. Tranquille. T'inquiète, y a pas de soucis. On dit à plus. Bon courage. Merci, toi aussi. Ah ouais, j'ai envie d'y aller, mais bon. Bon, je suis calmé, bon, je pourrais d'y aller. Ça va me faire mal au crâne. Allô? Allô, ce serait Ouais. pour un dépannage, s'il te plaît. Oh wow, t'es où? Comme si tu montais chez moi, tu passes le tequila là. Là, cette ruelle qui monte là, ouais. Ouais. Bah oui, il y a quelqu'un qui descendait un peu rapidement et qui était pas du bon côté dans le virage, et puis bah il m'a encastré. Ça fait boum, ok. Ah non, mais arrêtez de dire que c'est pas vrai, vous êtes de mauvaise foi. Attends, parce qu'il est en face de moi. Ouais, et puis là, c'est bon, le voyant moteur est allumé. Ok, j'ai un cas dépanneuse ou c'est réparable, tu penses? Bah c'est toi le mécano, j'en sais rien du tout, moi Ouais, je mais peux pas te c'est dire. rouge ou c'est orange ou c'est jaune ou c'est violet, c'est. C'est orange, c'est orange. Oh, ouais. Et sa voiture Bah aussi, elle embouti? ouais, bah à la vitesse où il est arrivé, oui, il l'a bien embouti sa bagnole. Putain. Eh mais je vais lui en mettre une à dire que c'est moi qui lui ai rentré dedans. Attends, je te. Est-ce qu'il te faut la position? Ça va aller. Non, j'ai compris où c'est, je vais arriver. Ok, à tout de suite. Oh, ça part en couille. Et va pas partir dans une baston là. Ouais, bah, dans 2 secondes, si. Attends, à tout de suite. Ouais. Oh putain. Oh là. Je n'ai plus combien? Mignon. Ouais, je vais y aller au rasso. Je suis patate. T'es qui là? Qui est là, c'est à droite. Large.
c'est v'là le meilleur. Je le savais que vous étiez comme ça. Ouais. Aïe, il se passe quoi ici? Bon, attends, je te rappelle, il y a le mécano là. Ouais, je descendais très vite, il m'est rentré dedans, voilà. Aïe, ok. T'as besoin ou pas, toi? Et il assume pas et il dit à tout le monde que c'est moi qui lui ai rentré dedans. Non, mais ça y est, on va se faire un... Bon, on en est là, quoi. On fait un constat ou pas? Bah, si vous voulez, non, pas de... mais il voulait je vais proposer de payer. Bah oui, je lui ai dit, écoutez, il y a un problème. Venez, on règle ça au bord d'un verre, elle veut pas. Je lui dis, je vous paye les réparations, elle veut pas. Il a encore dit que je suis pas honnête. C'est une dinguerie. Eh bah oui, parce que vous avez dit à votre ami que c'était moi la cause de l'accident. Oui, mais vous doutez bien que c'est pas ma voiture, donc forcément, je suis obligé de lui dire quelque chose. Bah, mais attends, le moteur est derrière en plus là-dedans. Bah, vous l'avez juste à lui dire que vous avez dérapé, il y a des mécanos en ville, une réparation ça coûte 500$, enfin c'est pas... Votre ami va pas vous tuer, vous êtes vivant, non, c'est qu'une voiture. Enfin, à part si votre ami c'est pas vraiment votre ami et qu'il préfère un tas de tôle que votre vie. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que le camion il est à droite et la voiture est à gauche. Ah, j'ai pas envie de dire que... Allez, chez. Ça va, laisse ça. 600$ étaient de mon côté, c'est bon. Tu fais le constat en ma faveur, hein? Mais moi je suis pas policier, moi. Après, si tu veux, je peux les appeler. Non, j'appelle par cœur. Non. Eh bah, bien sûr, eh bah, allez, tant qu'on y est, bah oui. Bah voilà. Tranquille. Voilà. Mais non, je vais pas appeler les flics pour un petit accident, j'ai pas que ça à foutre, hein. Fais-moi sa facture. Tiens. Ça va te soulager. Merci. T'es pas au courant. Fais-moi sa facture, je la paye. Non, j'insiste. Fais-moi sa facture, j'insiste. Fais-la moi, sinon je rentre dans la voiture quand tu l'auras réparée. Alors là, par contre, c'est que tu tiens pas ta vie, là, par contre, ce coup-ci. J'essaye d'être gentleman. D'accord. Ah, mais il va les payer tranquillement. Mais non, mais c'est juste que je voulais qu'il admette. Mais il est en payant les deux factures, il l'admet, alors arrête de râler. Mais, je râle pas, j'ai pas besoin de qu'il paye ma facture. Merci. Moi, je voulais juste qu'il admette. Il a admis, maintenant c'est bon, il a pas besoin de payer ma facture. Bah, c'est lui qui fait l'accident. Bah, oui, mais c'est pas une raison. Après, il a peut-être pas d'argent s'il a pas ça. En plus, si c'est la voiture de son pote, je veux pas qu'il ait de soucis non plus. Vous inquiétez pas, je suis entièrement responsable, je paye votre facture. T'as les moyens ou tu veux? J'insiste. T'es ok ou t'es ok pour les moyens ou pas? Dis-le si t'as pas les moyens au pire. Si, t'inquiète. Si, c'est bon. Non, parce que y a pas de soucis, sinon je paye la réparation. Non, même si j'aurais pas eu les moyens, j'aurais payé. Fais-moi la facture, je suis un bonhomme. Ah, je rigole. Ouais, non, mais que ça te mette pas dans la merde et puis. Non. Bah, c'est 500 par iPad. Ah, parfait. Tac. J'enchaîne la réparation depuis tout à l'heure. Ouais, après, y'avait pas grand chose à faire sur celle-là, y'avait juste une vitre à changer. Par contre, là, je vais galérer un peu plus. Je vais voir. Bah, s'il faut que je le ramène au garage, je descends tout doucement. Attention, Nas! Bah, tout va bien? Non, ça montait un peu fort. Oh, Nassio, comment tu vas? C'est maintenant que t'arrives, toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant que tu viens me chercher, toi. Foiré. Qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi? Ah, il a tapé, Rien, t'inquiète. Il s'est arrêté parce que j'ai eu un petit accident et puis il voulait prendre de mes nouvelles, voir si j'allais bien. Exactement, voilà. Ok. Donc il s'est arrêté et puis il a attendu avec moi le mécano pour être sûr que j'aille bien et que je fasse pas de malaise. Mais à qui ai-je l'honneur, là? Madame Palmer, enchanté, monsieur Sandré. C'est vrai que je vous ai même pas demandé votre prénom. Il y a pas vraiment, de soucis. Non, mais on m'a élevé, quoi. J'étais quand même bien mieux connu que ça, non? Vous parlez bien aux dames, comme d'habitude. Ouais, bah, c'est ce qu'il a fait. Bah, il vous a même pas demandé votre prénom. Oui, non, mais parce qu'il a eu peur que je fasse un malaise tellement j'étais énervé à cause d'un concitoyen de merde qui s'est pas roulé. Et oui. Donc il m'a demandé si j'allais bien, si j'avais pas envie de vomir et autres, voilà. Ok, classe. Hey, on essaye. Attends.
Bon alors chef, c'en est où? Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais. Parfait, parfait. Et du coup, Madame Palmer, vous faites quoi dans la vie? Je suis la propriétaire de l'agence IMO. Ah oui, je crois que je vous ai déjà rencontré une fois. Peut-être. Oui, oui, enfin croisé plutôt. Bien sûr, j'ai déjà vu une fois dans mon garage. Tu te rappelles? Je croise tellement de monde. C'est l'école du Bénis, non? Ouais, c'est moi. Je croise tellement de monde que j'arrive pas à remettre tout le monde par moment. Ah, j'en bah d'ailleurs, on va peut-être qu'on vous appelle pour un appartement, du coup. Ça tombe bien. Pas de soucis. Ok, cool. Je pensais que ça allait être un peu impossible, mais parce que c'est un peu hors de budget, non? Bah après, ça dépend de votre budget. Faut juste me dire votre budget, je vous dis ce que je peux vous proposer. 30 000. Okay, vous avez tous les... Non, 30 000, tu veux quoi? 30 000, on a un appartement bas de gamme. Oh. Sans garage. Par contre, il est ameublé. Et vous avez un Et pour avoir frigo un appartement de... avec garage Vous rajoutez 5... Attends, si je me trompe pas, c'est vous rajoutez 5 000. Oh, c'est tout bon. Yes. Ok. Allez, vas-y, fais-moi la facture, s'il te plaît. Je te l'ai fait. On va vous contacter un peu plus tard, si vous voulez. Ah, c'est ça, ok. Ouais, je les ai mis à 1000, à 515. Ah, ok, ok, j'ai pas abusé, payé, j'ai même pas regardé. Je crois que t'as payé. Regarde tes factures. Je vous ai partagé le mien. Allô. Bah tiens, t'as le mien. Ouais, salut, c'est Looping. Parfait. Salut Looping, ça va? Bah ça va depuis tout à l'heure. D'Ivoire, Quoi? Il y a un mec qui est habillé tout en noir qui court à côté du Bénis, là, c'est toi? Ah non, du tout. Ok, d'accord. Je suis devant le Bénis, je voulais te voir pour deux, trois petites choses. Ok, bah j'arrive. Je suis parti réparer des... Ok, j'arrive. À tout de suite. Et après, en termes de... d'endroit, de localisation, c'est... Où tu veux, du moment que c'est pas... Okay. Tu me fais pas mettre un manoir dans une caravane ou une caravane dans un manoir, tu vois. Non, ah non, mais non, parce que j'en ai déjà qui ont essayé de me faire mettre une maison dans un bunker, donc je dis ouais, ça... Ouais. Donc tu vas bien, je peux y aller, du coup. Ouais, merci, yes, Nas. Je te remercie. Ouais, j'y vais le 30. Passe une bonne soirée, merci, salut. À toi aussi, bon courage. Mais y'a pas de soucis, non, vous me dites juste dans quel secteur, après faites attention, parce qu'on a des ondes majorées. Donc ça veut dire que le prix de la maison prend un pourcentage. Mais bon, voilà, après vous regardez, tout est indiqué sur... Cuit de serveur.
Bordel, il est sacrément beau ce SUV là. Ah merci. Un petit ballard. Luxe. Ouais. Je peux t'en servir pour les courses taxi plus tard. Pour les quoi? Les courses taxi de luxe. Pour les clients VIP quoi. Ah, genre gouverneur quoi. Oh, pas forcément, des gens qui veulent payer un service de luxe. Confortable. Ok, d'accord. Rapide. Ouais, pourquoi pas, l'idée n'est pas con. Ah ouais, ouais. Bah tiens, je te ramène la bête là. Yes. Ouais, juste pour voir un petit peu niveau des. Ce que tu sais, la dernière fois on avait regardé, tu sais, pour les jantes à rayon et puis les petits garde-boue là. Ah ouais, ça me revient, ouais. Bah je voulais que. Parce que je m'en rappelais plus des tarifs que tu m'avais donné. Ah, attends 30 secondes, faut que je note un truc. Parce que j'ai fait pas mal de réparages enchaînés, faut que je note. Les jantes à rayon, attends. Ouais, ça me revient, c'est dégueulasse. Ok. Alors, jambes d'abord. Attends, c'est quoi avant? Je sais pas, c'est quoi le plus cher? Les jantes. Ouais, bah on va regarder pour les garde-boue alors dans ce cas-là. Putain, bordel de cul, elle était vraiment si dégueulasse que ça. Ça prend vite à poussière, hein. Bah, surtout là-bas, dans le nord, laisse tomber. Alors, garde vous. Ah, tu voulais ça, toi? Ouais, ouais, c'était du petit, ouais. Et à l'arrière, pareil. Le petit garde-boue, ouais. Un garde-boue comme ça, c'est 5672. Voilà, vache, je voyais pas ça aussi cher, bordel. Puis à l'arrière, on va voir à l'arrière. On est d'accord que sur celle-là, on peut pas mettre deux sièges. Hein. Non. Ok. Ouais, celui-là, ouais, le petit. Donc là, on est à 11 343. Et avec les jantes à bâton. Mais les jantes à bâton les moins chères. Hein. Celle-ci? Ouais, elles sont pas mal celles-là. Ça monte la facture à 18 680. Ok. Suivant. Du coup, la roue arrière maintenant. Ouais, tant qu'à faire. Tac. Ah ouais, c'est vraiment beau. Du coup, on est à 26 016 $. Oh la vache. Putain, c'est cher hein, quand même. Ouais. Vos fournisseurs, ils doivent se faire un sacré bénéfice quand même. Ouais. Ouais, bah non, bah c'est tout. Voilà, je t'ai dérangé pour rien. Ah, tu peux le faire? Bah non, c'était juste pour voir les tarifs et tout. Donc là, j'en ai pour allez, 27 000, j'arrondis. Donc 27 000, les garde-boue et les jantes. Non, 26 000 et 16 $. Donc en gros, 26 200, tu vois. Oh, okay, ça marche. Ok, ok. Donc les deux petits garde-boue et les deux roues. Non, j'ai même pas assez. J'ai pas assez. La fichier. Ouais. Mais c'est tout, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Et j'ai besoin de la remettre au garage ou c'est bon? Ok,
ça marche. Bon bah désolé, je t'ai dérangé pour rien du coup. Ok, ok. T'as remarqué quelque chose niveau mécanique, y a des trucs à faire ou pas? Pour l'entretien, ouais, voir un petit peu si j'ai un peu de casse ou quoi aux caisses. Ok, ça marche. Ah ben j'en prends soin. Bon, à part les coups de chiffon qui sont pas réguliers, ça, je peux pas faire grand chose. Ouais. Ouais, elle est bien, elle est propre là. Hop, oh, écoute. De quoi si j'ai une couille? Ah d'accord. Ah ok. Bah attends, je vais aller voir ton petit. Je vais aller voir ton petit Billy voir. Ah ok d'accord. Ah oui, je vais voir le. Oui, je vais te voir le petit Billy. D'accord. Hop. Hein? Ouais. Petit Billy, c'est le petit. Bah, c'est le petit gars là qui travaille pour toi. Bah, écoute, ça a l'air d'être. Trop dégueu, hein? Elle est pas mal. Ok, c'est cool. Parfait. Bon, bah écoute, en te remerciant, hein. Allez, à plus. Ouais, merci. Et ça va? Attends. Il est marié. Ouais, ça lâche tout là. Bene, Bene et Renato. Ouais, c'est mangé. Bene et Renato, ils vont se marier. Si, ils vont te faire en couler. C'est ma femme. Elle est ton cou. Elle est pas mal, hein. Là, je te la donne. Cadeau. Pour toi. La toundra. Arrête, arrête. Franchement, ça va bien, mais ça part un peu du cul, quand même. Si, c'est quoi ce bab que tu nous as sorti, là? Quoi, t'es jaloux? Non, j'ai ma voiture là, t'inquiète. Là, vous allez changer d'habit. Cadeau. Tu peux la réparer, tu la mets en truc toute la soirée et tu dis que c'est ta voiture, d'accord? C'est bon, vas-y, on... tu m'en diras des nouvelles. Oh, gros porc. Ah, merde. Ah ouais, y'a des... On dirait les gens, ils ont investi, hein. Vas-y, ben je vais aller faire un tour, je vais aller récupérer ma coachée de tout à l'heure. Cadeau ça, cadeau. Vas-y. Viens là, GoPor. Viens, rentre la moto là. Ouais, il disait, fais-moi une petite réponse, s'il te plaît.
Quoi? Merci, merci, vas-y. Bonne soirée, merci.
Ouais, bonsoir. Ouais. Je voulais savoir, vous avez des kits ou pas? Pour. Les kits de quoi? Les kits de crochetage. Là non. Vous allez en avoir ou pas? Ça rien du tout. Je sais pas si le patron est bien, je sais pas. Ok, bon bah je rappellerai tout à l'heure alors. Yes. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Oh con. Je me rappelle même pas là, une terrasse. Il appelle comme ça, et ciao. C'est tellement obvious, grosse merde de cheater à la con. Tu pues la merde. Vieux. Ah ouais. Tu bouges là du coup? Bah ouais.
Après me faire bump par un vieux cheater de fils de pute qui suce bien des morts, voilà. Encore? Ah, il est tombé, gros.